cette démarche, m'exprimer sur un point qui me tient vraiment à cœur. Et que les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez du jour de la finale. Je ne sais pas si vous avez encore les images en tête. Et je ne sais pas si vous avez les images. Si vous, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont encore les vidéos. Je voulais venir me jouer la vidéo là de la finale où on me remettait les prix et tout ça. Mais je ne suis pas venue en conflit avec quelqu'un. Je ne suis pas venue pour accuser quelqu'un. Je veux juste m'exprimer sur un fait. Donc, si vous-même, vous pouvez prendre la peine d'aller chercher ces vidéos-là et vous en rassurer, ça me ferait beaucoup plaisir. Donc, le jour-là, à la finale, quand on a donné les résultats, voici ce que j'ai reçu. Et il était question que je sois produit par Universal. Voici ce que j'ai reçu. Voici le trophée. On m'a remis le trophée et la dame a annoncé que je serai produite à Universal, qu'ils me feront un album. Allez aux sources, allez chercher cette vidéo-là. Donc, je ne sais pas d'où vient l'enveloppe de 10 millions que j'ai reçue à The Voice, ou bien quel montant que j'ai reçu à The Voice, et que les gens, chaque jour, elle a reçu l'argent, elle n'a rien foutu avec l'argent, on a voté, elle n'a rien fait, elle n'a pas évolué, elle a pris l'argent, elle ne veut pas travailler. Je ne sais pas où vous avez vu quelqu'un me remettre une enveloppe, soit disant que voici l'argent que tu as gagné. Je n'ai pas gagné de l'argent des Voice. Voici ce que j'ai gagné. Voici ce qu'on m'a remis. Et on m'a dit que je serai produite par Universal. Voilà. Ça, c'est de un. Donc, comprenez bien aujourd'hui que je n'ai pas reçu d'argent, pas un franc. Oui? De The Voice.